J'espère que vous allez bien. Je suis Séverine Kiasubi, je suis mandataire immobilier. Je fais partie du réseau Efficity. Alors, mon secteur va être essentiellement Saint-Romain-de-Sur-Yeux, La Chapelle-de-Sur-Yeux, mais sinon, plus généralement, ça va être le Pays Roussillonnais. Alors, je suis assez étendue puisque je vais de Vienne jusqu'à Saint-Robert-d'Albon et je vais jusqu'à Saint-Jean-de-Bournay. Aujourd'hui, je vais vous présenter un salon de coiffure, l'Évidence. Donc l'Évidence qui vient d'ouvrir à La Chapelle-de-Sur-Yeux. Alors ça c'est topissime parce qu'on en avait vraiment besoin. Vous n'allez pas me dire le contraire. Alors venez avec moi, je vais vous présenter Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Alors merci de m'accueillir dans votre salon de coiffure. Alors j'ai une première question qui me brûle les lèvres. Pourquoi votre installation à La Chapelle-de-Sur-Yeux? Pourquoi? Pour la proximité du village, pour avec nos clients, surtout apporter une vie aussi au village. Voilà. Ouais, c'est très très bonne idée. Alors, je crois que vous avez également un autre salon. C'est ça. Je suis associée avec mon ancien patron, avec D'accord. qui j'ai travaillé pendant 9 ans, à Reventin-Vaugris. Et D'accord. du coup, voilà, Ok, on travaille sur super. les deux. Donc, très très bonne initiative. Dites-nous vos heures et jours d'ouverture. Donc, du mardi au vendredi, de 8h30 à midi, de 14h à 19h, et le samedi, de 8h à 15h. D'accord. Ok, super. Très bien. Eh ben, j'espère que vous avez bien noté. De toute façon, moi, je vous remets dans la vidéo l'adresse exacte avec le téléphone pour prendre rendez-vous et les horaires. Et puis, n'hésitez pas. Julie a des doigts de fée, puisque je l'ai déjà testé, donc vous en doutez. Et puis, quand vous allez passer au bac, vous avez aussi une petite surprise qui va vous détendre. Vous allez voir, ça va être super. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Encore merci beaucoup. Merci à vous, Bonne je vous attends soirée. avec impatience. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.